les questions de transformation nous intéressent au premier chef. On est venu un peu à la pêche aux informations pour voir un peu les objectifs. On sort quand même d'une période un peu compliquée, donc là ça tombe juste à merveille. Il y a nécessité de repenser la façon dont on va donner envie de suivre une formation jusqu'à des accompagnements et des formes de formation différentes. Il faut se digitaliser et on a besoin d'être accompagnés, nous, pour moderniser nos pratiques et actualiser nos pratiques. Les prestataires sont en général des toutes petites structures et donc il y a un cruel problème de financement de l'innovation et de financement de la transformation. On attend aussi de transformation de nous éclairer sur des besoins qu'on n'identifie même pas encore actuellement. On n'est pas sur un projet où on pense qu'on va transformer le monde en 6 mois, mais là on est sur 2 ans et demi ou 3 ans. Ça, c'est une durée qu'une petite entreprise, par exemple, peut envisager. Un audit, un diagnostic qui est fait sur 25 jours, tout un programme de formation, tout ça, ça a nécessairement un coût très important. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que l'on pourrait faire chez nous en interne. La région a pris le temps de voir ce qui existait ailleurs et a fait, on va dire, une synthèse un petit peu de tout ça en se disant, voilà, il faut qu'on accompagne non seulement sur la globalité, mais sur le long terme, pas simplement sur des actions ponctuelles. L'idée, c'est de construire l'organisme de formation de demain, soutenir les organismes, les inciter à innover. Notre responsabilité puissance publique, c'est d'avoir une offre de formation de qualité, des parcours individualisés et répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a eu un flash code et on pouvait répondre de manière interactive aux questions qui nous étaient posées. Ça donne beaucoup d'idées. Nous avions imaginé un atelier qui permettait de rêver un peu une formation idéale sur un thème qui leur était imposé. Le webinaire d'introduction. Les réseaux sociaux, la captation des publics, c'est un vrai sujet. Ce qu'on a pu aborder aujourd'hui en termes d'hybridation des formations, de digitalisation, ça donne vraiment un véritable go pour engager la démarche. La région Centre-Val de Loire, à travers le dispositif transformation, a bien compris qu'il fallait retravailler toute l'offre. Un des dispositifs les plus ambitieux et les mieux pensés qui permet d'agir sur l'ensemble de l'écosystème. C'est véritablement une opportunité que de pouvoir être accompagné. On avance ensemble. Et on va se retrouver dans une dynamique d'innovation. On est au démarrage de quelque chose. L'idée, c'est qu'on a décidé d'y aller tous ensemble.